Sur la route de Domingeot, des adeptes de la fête du Muguet ne dérogent pas à cette tradition. Sabine choisit le plus beau des bouquets, mais ne s'oublie pas pour autant. Alors, les à une tige, c'est à 8 euros. C'est pour offrir et j'espère que j'en aurai aussi, parce que j'ai besoin de chance également. Mais quand on offre, on ne regarde pas le prix, quoique. Je suis passée à plusieurs endroits, mais c'est très très cher le muguet cette année. Avant, on trouvait des brins à 3,99 euros, 4,99 euros. L'année dernière, 6 euros. Mais là, c'est cher, c'est 8 euros ou 10 euros. Les tarifs sont toujours de saison, hein, 1er mai, mais ça reste correct quand même. C'est juste la loi de l'offre et de la demande. Par rapport à l'année dernière, on va dire qu'on a un petit peu moins. Donc, ce qui explique aussi un petit peu ces tarifs. Donc du coup, on a du 8 euros, du 12 euros pour les deux brins. Et ensuite, on a quelques modèles en composition dans des articles comme des verres à champagne, des tasses. On a seulement 100 pots, c'est tout. D'habitude, vous avez combien ? Ah ben 400, 500, ouais. Il a seulement 100. Et c'est encore là, ouais. Hayden en profite pour faire plaisir. Pour mon papa, pour acheter du muguet, c'est parce que c'est la fête des travailleurs. La fête du travail et la fête du muguet en ce jour férié, deux belles occasions de se retrouver en famille et entre amis pour marquer le coup.